très ravie de vous présenter cette nouvelle session d'actualité sur Kinactu Télévision. Mesdames et messieurs, tout de suite les titres. À la une, le ministère des Transports a conditionné l'obtention de permis de conduire biométrique à la réussite aux examens théoriques et pratiques en vue de sécuriser le secteur. Déjà pour demain mercredi 27 novembre, l'ouverture de la 26e édition du championnat d'Afrique féminin de handball. La RDC est le pays organisateur de cette compétition qui regorge en son sein 12 sélections nationales. Une fois de plus, bienvenue au premier plan dans ces journaux. Nous abordons l'exercice de redevabilité du gouvernement axé essentiellement sur le tourisme. Lors de cette séance du briefing du gouvernement, le ministre des Communications Patrick Muyaya-Bwanga a déclaré que lorsque la RDC va reprendre tous les sites sous occupation de forces négatives dans la perspective de la restauration de la paix, le pays sera à mesure de tuer toute l'économie créée autour des gorilles du Rwanda. Suivez. Destination touristique mondiale, principalement pour les gorilles, même si pour la plupart des visiteurs, ils passaient par la partie est du pays, et donc à partir des pays voisins. C'est dire que si nous reprenons tous ces sites et que nous réinstaurons la paix, on va y arriver sous la direction du nous serons en mesure de tuer toute l'économie qui a été créée autour de Gori de l'autre côté. C'est pour ça que c'est une politique pour eux de maintenir cette zone par patrimoine protégé de l'humanité, sous la guerre, sous les armes, pour permettre à leur économie de prospérer. Nous avions fait des livres blancs, nous l'avons documenté aujourd'hui, les dégâts sur l'écosystème, parce que l'écosystème qui était préservé notamment par M. Demeraude et tous les bureaux d'un projet qui s'est développé sur le site, on est aujourd'hui à plus de 50 millions de dollars sur l'écosystème, la protection et tout ce qui se faisait. Maintenant, s'il faut regarder les aspects économiques, il y a quelque part les îles ou tout ce qu'il y avait comme potentiel, plus personne n'y va. Parce que justement, il y a l'insécurité, il y a cette attitude rwandaise qui tient à tout prix à plomber les centres touristiques du pays. Mais nous en avons déjà pris conscience et nous travaillons à renverser ces tendances. C'est pour ça que le ministre, lorsqu'il vous parle des réformes, c'est des réformes qui sont pensées, qui ont été discutées, qui ont été approuvées au niveau du Conseil de ministres. Revenons sur la réglementation des transports en commun à travers la RDC. Le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a tenu le lundi dernier un point de presse où il a précisé que l'obtention du permis de conduire sera conditionnée par la passation obligatoire d'une preuve théorique et pratique. Suivez. C'est depuis 2017 que la délivrance des permis de conduire a été suspendue sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Cette situation a connu comme conséquence l'expiration de tous les permis de conduire, la délivrance illégale des tenants lieux de permis de conduire dans certaines provinces, la délivrance de faux permis de conduire à Kinshasa et à l'extérieur du pays, les requêtes croissantes des chancelleries et ambassades demandant à l'autorité compétente de certifier l'authenticité des permis de conduire de la République démocratique du Congo en circulation dans leur pays. Le risque de détention de faux permis de conduire par des mineurs et les non-voyants. L'augmentation des conducteurs non qualifiés n'ayant aucune notion du code de la route. La recrudescence des incidents et accidents de la circulation routière entraînant des pertes en vies humaines, traumatismes, désolation et dégâts matériels liés principalement aux erreurs de conduite, la détérioration de l'image de marque de notre beau et grand pays à l'extérieur. Le nouveau permis de conduire biométrique, sécurisé, avec puce, n'est pas seulement un document administratif, un imprimé de valeur ou titre sécurisé. Il est la preuve de la compétence, de la responsabilité et du civisme de chaque conducteur. Sa délivrance, dans un cadre modernisé et sécurisé, représente une avancée majeure dans nos efforts pour améliorer la sécurité routière, réduire les accidents de la circulation et promouvoir le respect du code de la route.
Et le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guizaro, a visité très récemment le boulevard Lumumba dans la ville de Kalemi et la route nationale numéro 5 située à Kalemi-Manono en province de Tanganyika, accompagné du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux objectifs, passé à l'étape de la matérialisation de tous les projets d'intérêt commun initiés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en second mandat pour le désenclavement des milliers ruraux à travers la RDC. Voici donc ce reportage. La dernière saison des pluies a été catastrophique pour la principale route de la voirie de la ville de Kalemie. Après les assauts répétés des eaux du lac, cette importante route a perdu son littoral sur une bonne distance et flirte désormais avec le lac Tanganyika. Intervenant en urgence pour sa sauvegarde qui permette d'atteindre la saison sèche prochaine, deux entreprises se partagent les 12,5 km du projet. Malta Forest a commencé de l'aéroport de Kainda jusqu'au pont Loubouyé et Crec 9 va du pont Loubouyé jusqu'à la colline d'État, siège des institutions provinciales. Avec cet effort, la circulation a été rétablie sur l'ensemble de la route, comme l'a constaté le ministre Alexis Guizaro, qui a chemin faisant reçu les explications utiles de la part du directeur provincial de la CGT dans la province du Tanganyika, l'ingénieur Kennedy Seya. Le directeur général de la CGT qui a conduit la visite lui a fait savoir que tout sera mis en œuvre pour sauver cette importante route. Il a en outre annoncé qu'à l'avènement de la prochaine saison sèche, il est envisagé la reconstruction de l'ensemble de la route. Il a ajouté qu'à l'avenir, pour éviter pareille destruction, il faut gérer le niveau du lac, notamment en procédant au curage régulier de la rivière Lukuga, qui en est l'exutoire naturel. Le ministre a par la suite été conduit sur la route nationale numéro 5 qui va de Kalemi à Manono en passant par Nyunzu, parcourant ainsi 446 km dont les travaux ont été lancés le 28 octobre dernier en son nom par le directeur général de la CGT. Elle sera construite avec un financement issu du partenariat public-privé. C'est un projet qui permettra le désenclavement d'une grande partie de la province du Tanganyika et aussi des provinces environnantes, car cette route sera reliée à la nationale numéro 1 et aux autres routes d'intérêt public. Les fonds pour la réalisation de ces travaux sont disponibles. Outre le revêtement de toute la route, le projet procédera au remplacement de tous les ponts existants par des ponts définitifs. Nous citerons en illustration le pont Kiambi qui aura une portée de 320 mètres. Le point de départ du projet est la cité de Manono et le point d'arrivée, la ville de Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika. En santé, le centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamayemo s'apprête à lancer ce service, une réunion stratégique du comité de gestion pour finaliser les derniers réglages. S'est tenu autour du ministre de Finances Doudou Fouamba le lundi 25 novembre dernier. À cette occasion, le directeur général de cette institution de santé, Al Kitenge, a salué l'écoute et les pragmatismes du ministre de Finances qui ont permis de lever rapidement les derniers obstacles suivis. Avec le président du conseil d'administration et le comité de gestion, nous avons rencontré son excellence, monsieur le ministre des Finances, pour préparer le lancement effectif des services au niveau du CHU Renaissance. Nous aurons le privilège de recevoir le chef de l'État parmi les premiers patients qui vont visiter notre centre et nous sommes donc venus mettre les points sur les i et nous assurer que les derniers travaux sont pris en charge avec le BESECO et le ministère des Finances pour que nous soyons en mesure de lancer les services de manière effective. Mamayemo est en train de se terminer pour laisser place au CHU Renaissance. C'est la volonté de son excellence, monsieur le président de la République, qui a poussé la mise en place de cette nouvelle infrastructure. Et notre travail, c'est de nous assurer que l'infrastructure donne les services. Nous avons admiré le pragmatisme de son excellence, monsieur le ministre, et il est allé droit au but et on a trouvé des solutions. Je pense que nous devons être en mesure de louer ce genre d'attitude vis-à-vis des gestionnaires publics. Dans un autre chapitre, réagissant sur l'affaire liée à la motion de défiance initiée contre le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Sam Bakassende, coordonnateur de la dynamique Bati Lukwebo, salue le sens élevé du patriotisme et la bravoure du groupe parlementaire de l'FDCA qui s'est inscrit dans une logique de la paix et de la solidarité au sein de l'Union sacrée de la nation en état contre la déchéance de l'un de ses membres du gouvernement sous-minois. Regardez. Premièrement, d'abord, nous saluons les bravoures des élus de notre groupe parlementaire AFDCA au sein de l'Assemblée nationale. Cela sous-entend que
La FDCA n'a jamais été un regroupement qui participe à la destruction du pays, ni à la déstabilisation du pays. Nous restons un parti politique, un regroupement politique, avec la vocation de participer à l'émergence du pays. Nous saluons cet engagement des élus AFDC qui se sont désolidarisés et nous sommes d'accord, d'un commun accord avec eux et ils ont notre soutien en tant que dynamique. Donc, par conséquent, c'est un exemple à suivre. C'est une leçon que nous donnons à ceux-là qui n'ont jamais voulu voir l'AFDC émerger, à ceux-là qui ont toujours fêté lorsque l'AFDC est dans les malheurs. C'est ça l'occasion que nous leur offrons des leçons à approprier. Donc quand le parlementaire AFDC décide de ne pas participer à la destruction, à la déstabilisation du pays, c'est aberrant. Et nous remercions les élus AFDCA pour leur engagement et surtout leur détermination à ne pas assister à la déstabilisation des institutions. D'un dossier à un autre, le général Blaise Kilimba-Limba a, lors de la parade du lundi 25 novembre dernier, exhorté le service de la police nationale congolaise à vérifier attentivement les décisions judiciaires avant de procéder ou d'engager une quelconque opération de déguerpissement dans la ville de Kinshasa. Suivez. Hors de démission naïe, alors que nous avons posé la patrouille, que nous avons combattu la matinée de l'eau pour la bande. Et à profiter de mon canavana, à qui est la langue de l'épissement, à l'émission de la matinée. Quand on va présenter à l'eau, on va tout faire sanctuaire à la gâte. Nous sommes très regardants dans ma carouane. La police va s'aligner au courant de la salle. Dossier ici par an, les PD, ça nous permet de signer la guerre. C'est pour payer 5 ans comme économie dans le Bébé. Et puis c'est le commandant qui envoie ça. Par tous à Kayango, à obtenir la signature dans le monde. 5 ans pour payer à tous les deux. Tu sais combien ça coûte ça? On vérifie le dossier pour comment ils nous prennent la tour. Nous sommes dans la tour. La tour de la tour. Les angles de la tour, la caméra va demander à des réglissements. Ce qui est comme une environnement bisou. Nos alliés qui ont été quittés, nous quittés. Bisou peut être aux alliés qui ont été là. Ce qui est solo. Et concernant ces fameux débats de la révision ou changement de la Constitution s'articule sur l'interprétation de l'article 217 de la loi fondamentale. Réagissant à cet effet, Stéphane Mbala, analyste politique, approuve la démarche du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appelle le peuple congolais à donner le quitus aux garants du bon fonctionnement des institutions de la République. Il est au micro de votre rédaction. D'abord, si nous soutenons l'initiative de la révision ou le changement, nous ne parlons pas de la révision, mais nous parlons du changement de la Constitution. C'est la simple raison est que notre Constitution n'a pas été rédigée par nous, les Congolais. On n'a pas rédigé cette Constitution au regard de
les attentes de la population congolaise. Et nous savons tous que la Constitution a été rédigée bel et bien sur une couche, une tendance qui était la majorité, les MP à l'époque, avec Joseph Kabila. La Constitution était bien taillée sur cette couche-là de MP. Et vous savez, notre Constitution touche beaucoup des éléments auxquels nous voudrions à ce que cette Constitution soit changée. Il y a à l'occurrence l'article 217. Voilà pourquoi nous nous disons que notre Constitution doit être changée. Le pouvoir, si vous lisez l'article 5, l'article 5 de la Constitution donne le pouvoir à la population congolaise d'en décider. Il n'y a pas de constitution au monde qui n'est pas changeable. On change toujours les constitutions si on voit qu'il y a des couacs qui ne reflètent pas la réalité de sa population. Et par ailleurs, à la suite d'une réunion de consultation convoquée par le secrétaire général du parti Union pour la démocratie et les progrès sociaux le dimanche 24 novembre dernier, le député et sénateur du parti présidentiel et Mosaïque ont affirmé dans une déclaration leur soutien indéfectible à la démarche du chef de l'État sur la révision de la Constitution. Suivez. Présidence du parti exécutif national. La présidence de l'UDPS Tshisekedi, exécutif national du parti, a suivi avec beaucoup d'attention la séance plénière de l'Assemblée nationale du vendredi 22 novembre 2024, au cours de laquelle elle a appris qu'une motion de défiance a été déposée par un groupe de 58 députés nationaux, dont 9 de l'UDPS Tshisekedi, contre un ministre membre de l'UDPS Tshisekedi. L'UDPS Tshisekedi s'insurge contre cette motion de défiance qui va à l'encontre de la communication du chef de l'État faite lors de la 20e réunion du Conseil des ministres du vendredi 1er novembre 2024. En effet, depuis le début de ce mois de novembre, le chef de l'État a initié un suivi et une évaluation de l'action gouvernementale dont on attend incessamment les conclusions conséquentes. Il est incompréhensible que les députés membres de l'UDPS s'évertuent à prendre une telle initiative sans se référer ni à la haute autorité de référence du parti, ni à la présidence de l'UDPS Tshisekedi exécutif national. La présidence de l'UDPS Tshisekedi exécutif national invite tous les députés nationaux de l'UDPS Tshisekedi et Mosaïque en particulier, et ceux de l'Union sacrée de la nation en général, à faire échec à cette motion de défiance afin de garantir la stabilité du gouvernement de la République. Poursuivons par les questions qui concernent le volet sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Sachez que dans la province de l'Ituri, les chefs coutumiers disent oui au maintien de l'état des sièges. Ils recommandent plutôt de renforcer les effectifs militaires des éléments des forces régulières de la République démocratique du Congo et d'accélérer avec le programme de désarmement, des mobilisations et réinsertion communautaire et stabilisation en vue de consolider les acquis de la paix. Regardez. Et c'était un attendement de la population de la province de Ituri pour faire ce premier personnellement de la situation sécuritaire de Ituri. Et s'il sait, tout d'abord, remercions le chef de l'État pour avoir aimé regarder sur la problème sécuritaire de Ituri. Et Dieu merci, quelque chose est arrivé. Et qu'à cela ne tienne, nous remercions également. Féliciter donc les actions, tous les efforts qu'a déployé son excellence sur le gouverneur militaire de la République, raison pour laquelle vous avez trouvé un point tellement apaisé dans les chefs de la province, car cela nous tient. Le groupe armé du temps, la province de l'Ituri fait face à la crise des groupes armés qui sèment encore la terreur et la désolation. À cela, nous avons une recommandation au chef de gouvernement. Et la recommandation est celle-ci, jusque-là, n'a pas un nombre de systèmes de militaires. Il faut qu'il y ait un renforcement des militaires dans nos différents villages qui sont sous, donc sous siège même des groupes armés,
et qui fait des fois un blocage à la vie paisible de la population. Si une fois ces zones seraient donc renforcées par les militaires, je pense que ce serait un pan que le gouverneur vient, plutôt que le président, donc le gouvernement vient renforcer le gouverneur militaire pour qu'on parle de la paix totale donc dans la province de Guinée. Car cela nous tient également, nous avons une autre recommandation. Nous demandons au gouvernement la mise en œuvre effective du programme PDLCS, qui était également en l'attente de la population. Malheureusement, jusque-là, ce programme marche à pas de tortue. Et une fois que ce programme était matérialisé, je pense qu'il y aurait diminution de ce groupe armé dans la bourse, puisqu'il serait, je dirais, mis en charge par ce programme. Prenons cette nouvelle en breve, la RDC accueille la 26e édition de la CAN Handball féminin du 27 novembre au 18 décembre de cette année en cours. Les hôtesses de la compétition, les Léopards Seniors Dames, vont affronter les crânes de l'Ouganda ce mercredi 27 novembre au gymnase mêlé du stade Omnisport de Martyrs de la Pentecôte, dont le coup d'envoi sera donné à partir de 18h. Parlons cette fois-ci de valeur nutritive. Que savez-vous donc du bienfait de maracuja? Complétez votre connaissance à travers cet élément de la rédaction. Avant de boucler ce journal, place à la page météorologique. Sachez que demain matin à Kinshasa, il y aura quelques nuages légers et pas mal d'éclaircies. La température dans la capitale congolaise sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 3 km par heure. Et à l'après-midi, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température atteindra le 27 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 29 degrés Celsius. Afin dans la soirée, il y aura quelques nuages sans conséquence et pas mal d'éclaircies. La température retombera vers 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. Et c'est ici que s'achève cette page d'information sur Kinatu Télévision. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le ministère des Transports a conditionné l'obtention de permis de conduire biométrique à la réussite aux examens théoriques et pratiques en vue de sécuriser le secteur. Déjà pour demain mercredi 27 novembre, l'ouverture de la 26e édition du championnat d'Afrique féminin de handball. La RDC est le pays organisateur de cette compétition qui regorge en son sein 12 sélections nationales. Merci infiniment de votre attention soutenue. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.